Bonjour à tous, bienvenue dans Business Planet ici en Auvergne. Alors, doper l'entrepreneuriat pour faire face au vieillissement de la population. C'est exactement ce qui a été fait ici et les résultats sont très encourageants. Des centaines d'emplois ont été créés et les jeunes entrepreneurs reviennent dans cette région française. Ils ont 24 et 25 ans. David et Eric sont tous deux chaudronniers de formation. Leur business, ils créent et vendent ces meubles en acier, en inox, agrémentés de cuir ou de carbone. Chiffre d'affaires 100 000 euros sur les 12 derniers mois. Objectif, doubler ce chiffre dans l'année qui vient et créer un emploi de commercial. Leur credo, c'est le savoir-faire, la qualité qui leur permet de vendre aux plus grandes galeries d'art. Mais David et Eric ont aussi pleinement conscience qu'il faut savoir s'adapter aux réalités du marché. On a donc nos amis, notre famille et d'autres personnes qui nous ont dit c'est vraiment bien ce que vous faites, mais moi malheureusement j'ai pas le budget pour. On s'adapte complètement au budget, que ce soit des budgets qui soient très élevés ou des budgets qui soient assez faibles. On fait en fonction de créer un produit en rapport avec le budget et avec la demande du client. David et Eric ont créé leur entreprise il y a 2 ans. Ces 6 derniers mois, ils ont bénéficié du système de résidence d'entrepreneurs mis en place ici. Système dont l'objectif est d'aider les entreprises à s'installer en Auvergne et qui a d'ailleurs reçu en 2010 le grand prix du jury des prix de la promotion de l'esprit d'entreprise remis par la Commission européenne. Par le biais de la résidence, on a eu notre loyer de local qui était payé pendant 4 mois avec une paye en fait chacun. D'une valeur de 1000 euros. Cet argent-là, disons que ça nous permettait un petit confort pour aller voir, démarcher les clients, se faire connaître, faire des salons. Grâce aux résidences d'entrepreneurs, 500 entreprises ont été créées ces dernières années ici, tandis que l'âge moyen des nouveaux entrepreneurs est passé de 43 à 39 ans. Henri Talamy est le monsieur entrepreneuriat dans cette région. Le résultat, c'est qu'en mettant un peu plus de 3 millions d'euros sur la table pendant 5 ans, on a récolté 47 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par ces entreprises qui sont créées en Auvergne. Et plus de 1000 emplois, bien sûr, qui ont été créés en région Auvergne. Donc c'est énorme pour une région comme nous. La clé du succès, c'est ne pas rester dans son coin et de développer son réseau. Être audacieux et créatif, c'est essentiel pour développer son réseau. Ne jamais se décourager. La vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille.